Cancer, scorpion, poisson, quelles sont bonnes associations au travail? Le sensible cancer, 22 juin à 22 juillet, l'insaisissable poisson, 20 février à 20 mars, ainsi que le mystérieux scorpion, 24 octobre à 22 novembre, sont des signes gouvernés par l'élément eau. Cela signifie qu'ils partagent des traits de caractère communs, tels qu'une grande émotivité et intuition poussée. Ce qui peut leur jouer des tours dans leur milieu professionnel R. Malgré les apparences, le cancer est très certainement l'un des signes parmi les plus sensibles du zodiaque. Sous sa carapace, composée de remarques sarcastiques et d'une grande exigence envers son entourage, l'incompris cancer peut se montrer particulièrement vulnérable. Il saura dévoiler sa sensibilité au travail à ses collègues du même signe. Et possède aussi une excellente compatibilité amicale avec les natifs du signe scorpion. Qui saura lui démontrer toute son affection R au travail, le cancer doit se méfier de l'intrépide sagittaire. Lui aussi très influencé par la lune, on risque de s'engager dans des conflits aussi inutiles qu'épuisants. Pour en savoir plus sur les cancers, découvrez Homme Cancer, comment le rendre fou d'amour. Impossible de faire changer d'idée un scorpion qui aurait pris une décision au travail. Les natifs de ce signe d'eau se distinguent par leurs émotions complexes, qui sont parfois bien difficiles à comprendre pour le reste du monde. Heureusement, le scorpion possède une excellente compatibilité amicale avec le cancer, ces deux-là pourront s'entraider au travail au quotidien et s'aider à atteindre leurs objectifs mutuels. Le scorpion doit cependant se méfier du tout aussi déterminé bélier, leur compatibilité au travail est au plus bas. Car ces deux natifs pourraient bien s'engager dans une compétition malsaine, propice aux coups bas. Méfiance aussi avec les balances toujours en recherche d'harmonie, leur relation pourrait très rapidement tourner au vinaigre et se transformer en guerre ouverte, où tous les coups sont permis. Pour en savoir plus sur les scorpions, découvrez tout sur la compatibilité amoureuse du scorpion. Les poissons sont reconnus pour leur capacité à assister aux réunions, sans vraiment être présents. Ces natifs ont toujours la tête dans les nuages, ce qui peut bien leur jouer des tours. En plus, les poissons détestent les conflits, et feront tout pour les éviter. Surtout face à leur patron. Si la compatibilité amoureuse du poisson est optimale avec des signes ambitieux tels que le cancer et le capricorne, c'est une autre histoire lorsqu'il s'agit des signes d'air. Le poisson doit en effet se méfier tout particulièrement des versatiles gémeaux, qui risquent de ne leur apporter que des déceptions au travail, voire de véritables blessures émotionnelles. La prudence est donc de mise. Pour en savoir plus sur l'astrologie, découvrez quels sont les signes les plus infidèles chez les hommes.